flows over the falls comes from four of the five Great Lakes. From here, the water goes down the Niagara River to Lake Ontario, then the St. Lawrence River, and finally to the Atlantic Ocean. Just to the right of the falls is the journey behind the falls. Nous approchons les chutes canadiennes, ou les chutes fer à cheval. Ces chutes sont 52 mètres ou 170 pieds en hauteur, avec une longueur de 760 mètres ou de 2500 pieds. C'est ici que les cascadeurs sont venus chercher leur réputation. La première, en 1901, fut la maîtresse d'école Annie Taylor. On la pense âgée de 43 ans quand elle conclut les chutes renfermées dans un palier de bois, mais en effet, elle en avait 63. En 1960, un incident presque incroyable eut lieu. Roger Woodward, âgé de 7 ans, fut envahi par les chutes portant seulement un costume de bain et un veston de sauvetage. Miraculeusement, il survécut. Presque à cet endroit même, un bateau made of the mist lui est venu au secours. À l'extrême gauche des chutes de fer à cheval, on trouve Terrapin Point, où traverse la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis. Au-dessous, l'eau atteint une